Allez, salut tout le monde, c'est Yonzio. On va commencer donc le nouveau concept que j'ai présenté il y a quelques jours. Donc je vous avais demandé de donner chacun deux numéros. Et comme ça, en fait, ça va se choisir un jeu un petit peu au hasard qu'on va découvrir ensemble les 10-20 premières minutes du jeu. Voilà, ça peut être marrant. Et puis après, au montage, je chercherai les infos importantes sur le jeu parce que ça risque d'être un peu brouillon si jamais je le connais pas. Voilà. Ceux qui ont participé, c'est pas trop tard. Vous vous rendez sur la vidéo de présentation de concept, vous donnez les deux numéros. Et je vous rajouterai pour le prochain tirage. Allez, qui va décider quel jeu on fait? Juste un truc vite fait. Cette fois-ci, l'ordre des plateformes, ça sera comme ça. Hop. De bas en haut et de gauche à droite. Bon, je changerai à chaque fois, comme ça va vraiment varier. Et j'annonce avant d'avoir les numéros. Allez. Donc, ça sera Retro41 qui choisit. Et il nous dit 15 et 24. Donc, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça sera Master System. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ça sera donc Aztec Adventure. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à tout de suite. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu peur parce que pour le coup, on commence vraiment sur un jeu que je connais pas. Donc Aztec Adventure sur Master System, hein, je répète. Je laisse un petit peu l'intro, vous faire profiter. Allez, c'est parti, on n'a pas beaucoup de temps, donc on envoie. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Nino, si tu veux. Ok. Alors. Ok, donc sur Master System, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que deux boutons, donc ce côté-là... La prise à main va être rapide. Donc, 2, je donne un coup d'épée. Ouais, ça ressemble beaucoup à un Zelda-like, apparemment. Hein. Ouais, c'est un peu ça, on dirait. Hop là, voilà. Ok. Alors, je vais essayer de pas me faire. de pas me faire exploser la gueule d'entrée. Parce que, déjà, pour ceux qui suivent mes duels avec le cousin, en ce moment, je reste sur plusieurs défaites. Hein. Donc il y en a certains qui vont commencer à douter sur mon niveau. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Eh, je veux passer, moi. Non, je peux pas. Bon, ça me va. Ah oui, d'accord, ça repop un petit peu. Mais ok, comme celle-là. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ça? Le truc. Par contre, ah ok, avec le bouton 1 je peux changer d'arme. Tu vois? Ok, j'ai dû gaspiller une bombe. Super. Mais je suis bloqué là, pas. Ah, je suis bloqué par où je passe. Bon, la musique est sympathique, mais le problème de la Master System, quoi, c'est que ça agresse un peu les oreilles, quoi. Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Ok. Bon, mais comme ça, la vidéo va être courte, hein, si je suis bloqué d'entrée et que je sais pas où aller. Je sais même pas d'où j'arrive. Mon dieu. Hop là, il faut pas. Ah, mais attends, peut-être que si j'utilisais les flammes. Et oui! Putain, c'est que je suis intelligent quand même. Long à la détente, mais intelligent. Qu'est-ce que c'est ce truc? Putain, je suis bon. Et c'est quand même galère. Hein. Hop. Ah là, d'accord. Mon dieu. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des monstres assez variés.
ça j'ai compris, quand j'arrive devant ça, j'utilise les flammes. Voilà. Et ouais, mais... Ah, c'est assez beau quand même, je dois avouer. C'est quand même marrant d'avoir des jeux comme ça dans sa collection et même pas avoir le temps d'y jouer. Par contre, j'aurais bien aimé vous montrer autre chose que ce niveau. Sauf que si c'est vraiment un Zelda-like, je suis pas sûr qu'il y ait plusieurs niveaux. Alors la particularité aussi de la Master System, c'est que là en ce moment j'ai mal à... j'ai mal à la main parce que c'est relou d'appuyer toujours sur le même... Pour ceux qui connaissent, au niveau de la flèche directionnelle en fait, elle est pas très agréable au toucher quoi. Oh, il y a du people là. Ah, mais là il y en a de partout. Mais en plus je vois pas d'issue. Donc à mon avis c'est pas par là. Putain, je galère. Ah, oh, je vais mourir. Non. Bon, encore une touche et je suis mort. D'accord, il me fait revivre dessus, super. Ah, il faut passer par là-haut, ouais, c'est sûr. Et voilà. Et je revis au début, c'est ça? Super. Je vais essayer de faire une ligne droite. Allez, on s'en fout des persos, on va essayer au moins de finir ce niveau. Putain, je sens vraiment plus mes doigts. Ah, chier, il apparaît juste quand je passe celui-là. Allez, en mode déjà Michel tout droit. Ah, je peux plus jouer, j'ai mal. C'est fou. Ou alors c'est parce que ma manette elle est usée. Ah, ce qui est bien c'est que là j'aurais joué ça plus jeune, ma mère elle aurait pas à surveiller mon temps de jeu, parce que je vous cache pas que ça fait 5 minutes que je joue, j'ai la main exposée. Ah putain. Putain. Gage. Ah ouais, mais tu me rompes. C'est quand même saoulant cette musique, hein. Je sais pas si à vous aussi ça vous rentre dans la tête là. Donc pareil, la couleur, ce vert un petit peu particulier, c'est un petit peu agressif pour les yeux, mais bon, c'est vrai que le jeu est beau, y a rien à dire. Des gros sprites comme ça. Ah putain, je suis nul. Allez, vite. Il me fout la flamme là, s'il te plaît. Dépêche-toi. Non. Non. Putain, j'ai gâché toutes mes flammes, non? Ah, quel con. Je peux plus passer. Ah, je peux plus rien faire. Ouais, non, mais je peux pas le casser, ça. Comment je fais? Oh, le mec, il fait n'importe quoi. Faut le jeter en bas. Oh, c'est rock'n'roll. Je peux pas passer. Je peux pas passer. Je suis foutu. Je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Oh. Et ouais, mais là je peux. Ah putain, j'ai tout gaspillé. Là je peux pas. Il me manque une boule. Et ouais, mais la boule, c'est pas lui qui va me la donner. Peut-être eux là-haut. Oui, c'est ce mec là-haut tout au fond qui va me la donner. Allez, dégage. Je suis chaud là, je suis chaud. Je l'ai. Allez. Allez, champion. Oh putain, il revient lui. Yes.
Oh putain, je vais bientôt mourir. Eh oui. Ouais, il est tendu. Hein. Tendu du slip. Hein. Eh, combien de vidéos? Allez, on se refait le trajet. C'est parti. C'est vraiment une idée de concept de merde que j'ai eu parce que si j'étais à me farcir des jeux comme ça où je me destroy la main. Allez, bouge-toi. Non, mais vas-y! Ah! Putain, Retro 41, t'aurais pas pu me donner un jeu comme Super Mario là? Ah mais je sais pas comment on passe prendre un coup là. T'es mauvais yo, t'es mauvais. Yup. Allez c'est parti, je suis chaud. Go. Spark. 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 Là je les défonce d'entrée. Si c'est pas eux qui vont me défoncer. Et c'est eux qui vont me défoncer en plus. Toi dégage. Voilà. Oh j'aurais pu tracer tout droit. J'avais déjà cramé la plante, ça c'est vrai. Là je suis mort tout à l'heure. Donc cette fois-ci je la fais en mode Jean-Michel tout droit. Si je peux, si je peux. Oh laisse-moi. Elle est chiante cette bestiole verte là. Elle est assez dure à tuer. Le problème c'est que pour changer d'arme, se mettre devant. Ok, éviter les trucs qui arrivent. Non, je fais n'importe quoi. Arrête de faire ça. Oh putain, je crois que j'ai fini le niveau. Non, il veut pas. Arrête. Je t'en pote. À quoi sert cette porte si je peux pas rentrer? Ah mais il avait moi lui. Oh là là. Ouais je me suis aperçu que c'était un ami. Ouais mais écoutez game over. J'ai mal à la main c'est affreux. Donc voilà je pense pas le refaire. C'est un jeu donc dans l'ensemble je dirais. Je vais vous présenter la boîte. Donc voilà Aztec Adventure sur Master System. Je pense pas que c'est un jeu qui coûte beaucoup. De toute façon, je vais faire ma recherche et je vous mettrai tout ça en sous-titrage pendant la vidéo. Jeu plutôt sympathique, qui n'est pas multijoueur par contre. Hein, après l'impression qu'il m'a donné. Donc ça a l'air d'être... Ouais, c'est ça, un seul joueur. Ça a l'air d'être en fait un Zelda-like, tout simplement, de chez Sega. Alors voilà, on voit la démo. Donc oh, oui, ça ressemble vraiment à Zelda. Effectivement. Je dirais plutôt sympa. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous montrer grand-chose. Avec mon super niveau, j'ai un peu de mal avec ce Master System de toute façon. Au niveau de mes manettes, en fait, elles sont un petit peu usées. Et voilà. Donc, pour vous redire un petit peu le concept, n'hésitez pas si vous avez loupé la présentation, vous me laissez deux numéros dessus, comme ça je vous rajoute dans la boîte à tirage au sort. Et puis on va se faire ça tous les. Je sais pas, on peut s'en faire une tous les 10 jours, voilà. Surtout commentez, dites-moi ce qui est bien, ce qui est moins bien, comme ça je le change. Au niveau de la durée de vie, je pensais faire 20 minutes. Bon là finalement c'est un jeu où je suis mort de suite, donc sans cinématique ni rien parce que c'était du rétro, du coup ça c'est bien fait. Vous me dites hein, et puis en fonction d'eux, je dispose. Allez, passez tous une bonne soirée, ciao tout le monde.